Kama tunaandamana sisi kama wazalendo kwa sababu tunakutana complicité imekuwa mingi njia yetu complicité imekuwa mingi tukiona mu niveau économique Kenya imekaa imeuza mabanki zetu zote kwa sasa wamepatia munyarwanda amepatia ba commerçants ba mwa mwa franga bameuza budongo hapa parce que batafute budongo kwa machache mnaandamana leo kwa nini tunaandamana leo kwa kusema EAC complicité yake hatuitaki barudie kwao na kama barudie kwa na kama barudie kwao baende basaidiane na FRDC kupigana vita kupigana na M23 kuma mama yu Monsieur, parlez-nous, pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Nous sommes très furieux et mécontents de voir comment est-ce qu'il y a les accords qui ont tenté d'être faits, que nous, population, n'arrive pas à comprendre. On ne veut plus la présence de l'EAC ici, au Nord Kivu et à Goma. Plus jamais ça. La population doit se libérer seule. On en a trop mal avec ces histoires des accords et autres qui ne veulent pas en rien. Nous voulons que les gens de l'EAC puissent partir et que nous puissions voir le peuple seul se libérer. Le Congo, c'est notre pays. Le Nord Kivu, Goma, c'est notre patrie et notre province. C'est-à-dire qu'on en a marre, trop marre avec ces histoires. Alors vous demandez quoi concrètement? Nous demandons ce qui est vrai, le départ immédiat des éléments de l'EAC. On ne veut plus ces gens ici sur les sols congolais. Nous voulons voir une sécurité faite par notre propre police ou FARDC. Et pas les gens, les étrangers qui vont venir ici, qui ne maîtrisent aucun coin et recoin du Nord Kivu, qui vont venir ici juste pour piller et se promener, et se balader dans les histoires au moment où il ne faut rien. Nous voulons que le peuple seul puisse se libérer et que la sécurité puisse être faite par les autochtones ou bien, je vais dire quoi, par le vieux nationaliste ou le patriote. Alors, lors du sommet du Burundi, on a dit qu'on va déployer une autre force, vous en dites quoi? On ne refuse pas. Une autre force. On n'a pas d'ailleurs besoin d'une autre force. Parce que ce sont des hypocrites. Quand nous parlons de l'EAC, dans l'EAC tout d'abord, c'est l'hypocrisie qui est remplie à l'intérieur. Parce qu'on voit tout d'abord, il y a le Burundi, il y a le Rwanda, il y a le Kenya et autres. On va nous amener aujourd'hui les Soudanais. Est-ce qu'il y a la paix au Soudan? Il n'y a pas de paix au Soudan. Nous devons être clairs et que les accords puissent être signés pour que le peuple se retrouve. On nous a dit que non, le peuple gagne. On nous a dit que non, le peuple se retrouve. Mais le peuple est en train de végéter. Messieurs les journalistes, le peuple végète, le peuple souffre, le peuple vivote. Et on a dit qu'il faut cesser les faits, mais on a pris ce matin la reprise des affrontements. Vous en dites quoi? L'M23 qui ne respecte pas. Le M23, ce sont des hypocrites, messieurs. Qu'elle ne vous mente pas. Les M23, ce sont des hypocrites. Parce qu'il y a les accords, ils signent les accords aujourd'hui et demain, ils font semblant, c'est comme si ce n'est pas eux qui ont signé. Là, on ne peut plus tolérer. Ça, ce sont des bêtises. Là, ce sont des bêtises, on ne peut plus tolérer ça. Les M23 sont des hypocrites et plus jamais ça. Plus jamais ça. Les M23, c'est un groupe de terroristes. Le gouvernement lui-même a connu que les M23, c'est un groupe de terroristes. Mais il fallait agir. Vous allez marcher jusqu'à quand et où? On va marcher, on a une semaine de marche, messieurs les journalistes. Oui, oui. On ne va pas mourir. On est habitué à des guerres. Oui. Mais nous voulons que nous puissions en terminer une fois pour toutes avec les M23. Trop, c'est trop, messieurs les journalistes. Je vous en prie. Là, n'a Congolais, ça pour ça. Oui. N'a moi, Woma. Omoni, Biloko Salema, Ezamabe. Biloko Salema, Ezamabe. Bisoba na Goma, tu en as posé à Kimia. Tu en as posé à Yabitumbate. Baninga. Vas-y, ça va. Baninga na biso barone baza koto wote kisaka maziwa. Baza koto. Pourquoi t'as mis révolté te? Mais baninga bosa la bitumba, bosa banani ba politique. Pour na biso. Viens en aï, ya solo. Et pas na biso za bouene, kuna likolo. Et pas biso bouene. Parce que moutou a koko sur la kaka, koloba sa eza, et koza la kaja no sina dego. Au moins, il vient en aï. Biloko osa les amabe. Au moins, elle a auto sa marche. Eza kolo bakaka. D'accord. On reprend, nous on a un échappé à toi, Yako. Alors. Dieu. On échappe, il est fumba koyo. Nakosa lango boy. Tiens, on aïe. Tiens, on aïe. Ok, vas-y. Eza sala, eza mabe. Mais toi, à toi, va outa kenya. Baza batou mabe. Bosa biloko osa la mate. Toza na posa bazongé pa na bango. Oye qui vient en aïe. Nous sommes là pour nous. Nous sommes là pour nous. Nous sommes là pour nous.
Je suis là pour vous. Na RACE yote kwa Katara tunasema irudie kwabo, hatuitaki hapa Goma, hatuitaki Mkongo yetu, na hii nchi yetu haitakubaliaka hata siku moja kwa hii nchi yetu, hata siku moja. Tunaambia Felix, Felix, President Felix, hii nchi, hii Kongo haitakubalikana hata siku moja. Sisi wote tuko watoto pamoja, sisi wote tunatoka fasi moja. Hii Kongo hata siku moja, hata 1 cm ya bulongo yetu hata itenda. Tuko na une semaine hapa Goma ya marche de colère entre bipindi yote ya M23 tetu bons tuli mwabeu tuli binchi la tuni tuli badi suika tetu bons mwabeu tuli mkubwa tuli badi suika kisungu tetu bons hata na boss M23 mudi tumwe mko twa tachibikolo mwe ditunge tunga yetu tetu ya banga hata na bata somoya mwangu yoso bengoi oboma kama nyoso wapi tuambie unafanya nini kitu gani mnafanya hapa hapa tuko hapa si population tunakosa tufanye nini tunakia kutana mwe tujitetee si peke kwanza tunakia kutana gouvernement tole wenye wanafanya kama tuko hapa kwa hiyo wakati ni kasirani inatufikia kwa hiyo wakati wanasema hakuna kisi tu hatuna bunduki hatuna nini kama tunafika mbalabala ni kusema hakuna kitu tunaweza fanya si population. Sasa hii kitu inamaanisha nini mnafanya hapa? Hii kitu inamaanisha ni kusema chanjo cha si kuteseka mwi Kongo ni Kagame, President Kagame wa Rwanda. Ni yeye ndio chanjo yetu kututesa hapa na sijiviche kupita munjia ya M23 anjo iko natupiga ni hii Kagame ndio anatupiga hapo. Na hapa kwa sasa tunamuua, tuko tunamwombea kifo akufe na njoo huyu analala hapa ni mrefu kweli. Unaona anafika kule kote. Ni mrefu kweli. Ni yeye tunamuua hapa Kagame akufe. Na mimi nakula pia kweli kweli. Kagame ana siku fulani kama akufe. Yako vipi? Atakufa tu ndio yeye atakufa mbele. Kama iko natembea ni fotokopi. Kawaida yeye ni maiti iko hapo. Naona ku Facebook. Sema unasema nini? Mimi naona. Hapana sio. Siwe mimi sivale kitu. Sema tu. Mimi sitaki mzungu aingie kwetu. Ju Amerika njo Amerika. Sasa aya Amerika anaingia mwetu, wanakamata basoda yetu na mtoto wangu alikufahamu. Bana bafunga makamba. Arme naisha banatuma minisio balombe nani on secours hakuna kisha saba natia mabunduki chini banabakamata banafua makamba balikufa hapa juzi kiloriro huko kama njoo kichanga kichanga sasa bali bali basoda bana kufia nini ukagame na kisekeji naiko na waza nini tena nakamata mwingine batoto na batia tena mkiforme mbo hakuna msaada banatu banawa batoto hapa hakuna msaada. Sasa ile msaada watoto wetu watakuwa na kufa mkuwerewere. Nini wanakufia? Tena hatupokee. Mimi niko bibi ya soda sipokee yake. Na hata hivi leo tuyapokee. Sasa watoto wanakufia nini? Je suis Kinyabuma Balume Charmant. Nous avons une déclaration. Je suis Kinyabuma Balume Charmant. Et nous avons une déclaration. Non, vous êtes qui? Je suis jeune notable de Massissi. Nous avons une déclaration de jeune notable de Massissi face à la crise ou à la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo. Et à la communauté internationale, face à l'agression rwandaise injuste imposée au Congo, est soutenu par les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine, à travers les terroristes du M23 RDF, d'arrêter d'être manipulés par les Rwandais qui continuent à tromper votre vigilance en exhibant les os du soi-disant génocide
pour bénéficier de votre soutien afin d'exterminer les Congolais et piller leurs richesses et qui justifie votre complicité. Face à la MONUSCO, à son impuissance et son hypocrisie, nous la donnons 72 heures de quitter le sol congolais si elle n'appuie pas les phares d'essai dans les opérations contre les terroristes M23. Très bien. Notable wa Masisi et tunayo déclaration ya kwamba kuhusu hii mauaji na vita ambayo Rwanda inatufanyizia kuhusu udongo wetu wa mababu. Sisi vijana wa Masisi tunasema kwamba tunakatala hii na tunaambia Umoja wa Mataifa ambao unaendelea kusapoti Rwanda kupitia M23 kwamba tunakatala hii usapoti wao na hii mambo ambao wako na uvamizi juu ya teritwari yetu ya Masisi, teritwari ya Nyiragongo, teritwari ya Uruchuru. Tunakatala hii na tunaipinga. Tunapatia saa 72 Umoja wa Mataifa kupitia MONUSCO kwamba kama hawasapoti FRDC na wapatriote wetu ama wazalendo wetu piga huyu adui M23 na ambao wote wanamusapoti, tunawapatia saa 127 kama hawatoke hapa kwetu Kongo ama kama hawasapoti FRDC, sisi tutajisharge na wao wote kuwafukuza nje ya nchi yetu Kongo. Asante. Mimi ni Bunyere en français. Je m'appelle Bunyere Nabaruti Esperance, je suis jeune notable de Masisi, précisément de la chefferie de Bachali. Nous demandons, face à la crise qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, et nous demandons à aller à celle CIRGL de cesser avec votre hypocrisie face aux Congolais en organisant des pourparlers pour distraire les Congolais pendant que l'ennemi M23 RDF que vous soutenez progresse avec l'agression. Si vous ne soutenez pas le phare d'essai dans sa lutte, un délai de 48 heures vous est accordé pour quitter le sol congolais. Merci. C'est ma question. Mimi kama vile notable wa Masisi, précisément ku chefferie ya Bachali, mimi ni Bunyere na Baruti Esperance. Nina sema kama nani EAC na CIRGL benye banaendelea kuorganize ma réunion na gouvernement congolais kujua ya kudistraire ba kongomani, tunakatala ile mapurparle. Kama bapendi soutenir nani FARDC mulite na ba patriote betu mulite EAC na CIRGL batoke mwinchi yetu, tunabapatia muda ya 48 heures. Saa 10:48 na munane bako wametoka mwinchi yetu, kama bapendi soutenir FARDC na ba patriote betu. Bache kutudistraire na mapurparler zenye hazitawezekana, pourtant wana soutenir M23 na M23 iko na avancer avec msaada ya EAC na CIRGL. Je suis Franck El Mambo. Attends, monsieur. 1, 2, 3. Je suis Franck El Mambo Léo, jeune notable du territoire de Masisi. J'ai un message pour le chef de l'État. Nous vous encourageons d'aller plus loin dans la lutte en prenant vos responsabilités de sauvegarder l'unité nationale tout en protégeant et défendre l'intégrité nationale. Surtout, ne vous fuyez pas aux organisations internationales qui font le tourisme sur les sols congolais. Et si elles constituent un écueil pour la paix à l'Est, le mieux serait de rompre avec elles pendant un moment pour vous permettre d'en finir avec la question des terroristes du M23 RDF. Soyez. Naitwa Frank El Mambo Leo, niko kijana masuja wa Masisi, na tunafika ku message ya kupatia rais wetu chef de l'état kumwambia kama tunamuencourager, tunamusoutenir kuendelea mbele na mipango yote iko na kamata, na kumwambia kama asiitike hata metre moya itoke ku nchi yetu, aendelee kupigana, na kama ile communauté internationale ama Umoja wa Mataifa njo inaezi kuwa inamutilia mipaka ama bariere juu amalize hii vita M23, tunamuomba akate kwanza uhusiano nayo kwa muda juu aweze kumaliza hii vita ya M23 RDF. Asante. Moi c'est Mbailwako Akili Charité Lele.
jeune notable de Massissi. Mettre fin à l'infiltration rwandaise et ses acolytes, tout en protégeant les barrières et frontières congolaises. Kekitianga et d'autres agglomérations sous occupation du M23 RDF soient libérées au plus vite possible, car ils constituent des carrefours entre les grands nord et les petits nord. Rappelez-vous que les rebelles rwandais se sont toujours servis les villages de Kitianga comme leur quartier général. Par exemple, l'époque du RCD Goma, CNDP de Laurent Kunda et le début du M23 toujours à Kitianga. Nous voulons aussi que le gouvernement ou le gouverneur militaire veille à ce que tous les militaires ayant des affinités avec les terroristes M23 ne participent pas ni aux opérations, ni aux affrontements, voire même la planification stratégique et tactique. Ça, c'est le message du gouverneur militaire du Nord Kivu. Merci. Je suis Belia Bazungu, jeune notable de territoire de Massissi. J'ai un message aux communautés locales congolaises. Que tout celui qui reconnaît qu'il est congolais ou congolaise et qui continue de collaborer avec les terroristes du M23 RDF et aux jeunes qui se déguisent aux M23 RDF dans les entités, et de bien vouloir se désolidariser ou de rompre immédiatement et définitivement avec eux. Car nous vous rassurons que tout ce que vous voyez sur notre territoire ne reviendra pas chez eux vivants. Et nous encourageons la mobilisation locale nationale de barrer la route à l'ennemi pour sa progression sur notre territoire. Soyez. Vous avez résumé ? À résumer, vous avez toujours parlé français. Ninaomba wa jeune congolais na ba congolaise benye banajiunga na M23 juu ya kusumbua nchi yetu baji de solidariser na bale batu parce que tunayua ke lobby kwa territoire yetu vivant mais habata rudia yaka kwao na ni wazima donc tuachane nabo parce que hatutaweza rudia nabo na hatutaweza bakia na nyie mukiendelea nabo. Mouchard Batundi Fred, l'un des jeunes notables de la chefferie de Bachali, précisément en territoire de Massissi. J'ai un message clair et précis adressé au groupe terroriste du M23 avec leurs alliés. Le message veut dire ceci. Nous demandons dans l'urgence au M23 de cesser avec leurs aventures et de se retirer partout où ils sont dans notre pays, car nous jurons qu'ils ne rentreront pas vivants chez eux au Rwanda. Le deuxième message que j'ai s'adresse au pape. Nous disons d'abord bienvenue au pape et notre message, c'est juste pour lui dire que nous voulons que sa présence sur le sol congolais soit vraiment une solution au problème des Congolais. Car nous sommes maintenant au bout de notre souffrance. Nous ne savons pas où aller, nous ne savons plus sur quel pied danser. Et finalement, nous sommes comme si nous n'avons plus le droit de vivre. Voilà le message clair adressé au pape qui est vraiment présent sur le sol congolais. Que sa présence sincèrement soit une solution pour nos problèmes. Merci. Soyez.